Oui, tu as le droit, c'est sûr et certain. Continue à regarder cette somme. Maintenant, cette somme, fais-la vivre. Est-ce que tu sais clairement comment tu vas l'utiliser? Et qu'est-ce que tu as commencé à mettre en place pour dire à l'univers, OK, tu me donnes ça et moi, je vais donner ça. Comment? Parce qu'à un moment donné, c'est bien, tu peux marquer, je veux 1 million ou je veux 100 000. Mais qu'est-ce que toi, tu actionnes de ton côté? Comment tu dis, OK, moi, je vais enrichir aussi, j'ai des idées pour améliorer et apporter de la valeur ajoutée dans le monde. Donc ça peut être, même si c'est d'écrire ou de faire des dessins, ou c'est pas forcément, mais il y a une énergie que toi aussi tu dois envoyer. Et plus tu vas nourrir ce que tu vas en faire, et plus tu vas montrer à l'univers que tu es prête à l'utiliser. Et autre chose aussi, c'est ton niveau de croyance. Sois juste honnête avec toi-même. Sur une échelle de 1 à 10, tu y crois à combien que tu peux avoir cette somme? À combien tu y crois? Et puis, de l'autre côté, à la fois le niveau de croyance et le désir ardent. Le désir ardent, c'est l'intensité avec laquelle tu y penses, comme un enfant, il veut, par exemple, là, j'ai un petit garçon qui s'appelle Shiva, 2 ans et demi, et on a vu l'autre jour une peluche, le loup. Il m'a dit, je veux, je veux, je veux. Je dis, oui, on achètera. Maman, le loup. Oui, on va l'acheter, la peluche. Non, maman, le loup. Oui. Et puis il est revenu, maman, le loup. Il me l'a dit 15 fois. Ok, allez, donne-moi mon téléphone. J'ai appuyé, j'ai commandé, c'est bon, on l'aura lundi. Et voyez l'intensité des enfants, comment ils sont tenaces quand ils veulent quelque chose, ils sont capables de ne pas nous lâcher, de nous le répéter 100 fois. C'est ça le désir ardent. Est-ce que tu es comme ça quand tu penses à cette somme-là? Est-ce que tu te dis, je la veux, je la veux, je la veux, je la veux, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je suis prête, je sais ce que je vais en faire, et puis je sais ce que moi j'apporte aussi. Donc il y a vraiment ces deux choses-là qui sont très subtiles et qui se travaillent. Donc le niveau de croyance et le désir ardent. Pour tous vos objectifs, posez-vous la question, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'y crois? Est-ce que mon désir est assez fort? Et si ce n'est pas le cas, si tu es par exemple à 7 ou à 8, eh bien, qu'est-ce qui m'empêche de le croire? Qu'est-ce qui me bloque? Et c'est là où on va aller travailler les résistances et les blocages. C'est inconscient.